t'en prie, bon, moi, 20 secondes pour moi couper bien bas devant des pouilles. Tout le monde qui est mort dans le massacre qui s'est fait ces derniers mois, et plus particulièrement devant des pouilles président de la République, là, même s'ils sont opposants à Jovenel Moïse, à PHTK, nous-mêmes, nous ne pas jamais prôner la violence et nous condamner, même bien nous fermer toute émission radio, nous passer toute cette semaine temps, nous condamner avec la dernière rigueur, massacre, assassinat qui s'est fait par le président de propre même sécurité lieu. Mais comme ce n'est pas le sujet du jour, l'enquête là a révélé, puis devant, ce n'est pas Colombien que ce président, c'est sécurité lui même qui tue. Maintenant, article 49. Article 49, là, dans la Constitution, qui soit disant en vigueur là, que même. Sénateur, excusez-moi, vous dites que c'est sécurité lui qui tue. Nous pas qu'il doit aller tout ça. Mes amis, vidéo, 3h, 4h, 5h, 6h du matin, Colombien a marché librement dans la rue Pétionville, librement. Notre grand pick-up qui était propane, nous voyons qui était tombé dans la là, où est Colombien marché librement dans la rue Pétionville, parce que eux-mêmes, ils connaissent ces employés de l'État haïtien. Et c'est pratiquement si enquête n'a pas révélé, c'est même eux-mêmes dans la boule, qu'ils ont habité Pétionville depuis des semaines, qui est là-dedans depuis des mois. Ce sont des employés, des contractuels de l'État haïtien, pas rien de doute tout ça, mais en entité. Léon Charles continue de menti, éventuellement la vérité sortira du puits et population qui se connaît aussi déjà lui-même et pas bien condamné à ça fait sous les Colombiens fait vin et deux vine de la police là et je dis à la les gars fait politique à ça mais vraiment dit la vérité a sorti dans puits dans les heures ou jours à venir il n'est que la preuve. Même je nous connais, sénateur, même je nous connais poser mon qui porte mon question sur genre de résultat rapide de l'enquête. On demande ça, quand on a une information ça ou même. Information ça, monsieur, vous pouvez faire un petit minute d'intelligence, on y garde le timeline, on y garde le vidéo, ok? De toute façon, on peut exactement à qui veut mourir. Heureusement, Martin Moussa, il est là qui est pour parler. Donc, moi, je dis, en quitté, autorité, je fais travail, je me déplace, je bloque, hier, je bloque, et nul, mais je mourir. Parce que, vous remarquez que c'est ISTN qui l'a fait, l'ISTN qui a fait sécuriser le président et palais national. Vous remarquez que c'est ISTN qui a fait la chasse aux Colombiens, et vous connaissez Cubain qui est victime, les Mexicains qui sont victimes, qui paraît Messis ou Mula qui est victime. Moi, je dis, nous devons tout simplement souligner ça à attention population, pour dire attention, non pas qu'il y ait amalgame fait, il y a un coup d'État, qui fait, et nous allons parler de ça. Donc, nous devons dire attention, et il y a un amalgame qui fait, même si on recevait de toute façon, bien sûr, il y a une responsabilité pour dire exactement ce qui passait dans la 6 au 7 juillet 2021. Alors, maintenant, article 59. Constitution qui est là, c'est ouf. Comme des bouquets par ça dans ma chute, nous baillons. Constitution qui est en vie, n'est pas permis. Monsieur Claude Joseph présente comme premier ministre. D'ailleurs, Claude Joseph, toute nouvelle, sans stress, sous 5.9. Sénateur, président, oui. C'est là que je me suis dit que position est dans le cas, mais la coupe de temps en temps, si tu es capable de faire un petit peu de temps là, comme d'habitude. Avec documents devant, constitution et quelques documents. Eh bien, ok, c'est ce qu'on compte, je viens de compte là, on nous allait, mais la fête. Oui, c'est même pour ça, si tu n'as pas déplacé. C'est quand même, effectivement, même si tu as. Continue. Toute nouvelle. Alors, l'article 59 est clair. Mais avant maintenant, l'article 59 là, on dit Claude Moïse et Claude Joseph n'ont pas ni qualité pour le même chita côté chita. C'est un ancien premier ministre de facto remplacé ou même convoqué par Jovenel Moïse quelques heures avant son assassinat. Donc Claude Moïse et Claude Joseph, excusez-moi, monsieur Claude Moïse, mais après acte de préhensible la paix là-haut, monsieur Bagnan, qu'il y a une chance pour rien encore dans le pays. Ceci étant, on était dans la Constitution. Article 49, il clairement dit 3 premières années, si le président incapable, il démissionne, l'assassiné, il mourit. Et la sacrée là, pour quelque raison que ce soit, il n'est pas là, premier ministre, là, qui, premier ministre, a remplacé, même si le premier ministre a dit, le conseil des ministres, mais sous la présidence du premier ministre, le remplace. Et c'est pour 120 jours pour faire élection, dans moins de 120 jours pour mon nouveau président qui finit.
quatrième et cinquième année mandat, je dis à grand débat, est-ce que nous dans quatrième année, moi-même, moi pense que nous dans cinquième année, et cinquième année a fini, mais si on dit que nous étions tel Jovenel Moïse, tout est... On dit lui-même, il a dit que c'est ce qui m'a dit la commencer là, qu'a fini cette février 2022. Si c'est ça, nous-mêmes, on a tel que le mandat est fini. On prétend ça, que y a quelques mouns, quelques 1% de pays qui tirent. Notre quatrième et cinquième année de mandat, c'est l'Assemblée nationale qui constate que le président pas là, qui se réunit de chambres, qui accepte des candidatures, qui font vote, qui met au monde premier ministre, encore une fois, pour 120 jours pour nous organiser l'élection. Donc, je dis à la, Claude Joseph, ancien premier ministre de facto, n'est pas habilité à écrire ni document, ni parler dans le gouvernement, ni parler dans le nom de l'État haïtien, ni parler comme ministre. Claude Joseph, je dis à la, il n'y a pas de qualité pour faire ça. Là. Deuxième bagaille, nous, par contre, Claude Joseph n'est pas premier ministre de mon pays. C'est un usurpateur de titres liés et liés pour payer à répréhensible l'affaire avec Madame la Ligne là. Nous clarifions ça et d'ailleurs, nous-mêmes hier, nous sortis une résolution et nous disons où elle est, le civil là et moi-même signataire de cette résolution, nous condamnons coup d'État qui fait un coup d'État. Sénateur Benoît, on retourne sur la réalité, sur la situation qu'il y a, sur la réalité avant l'assassinat du président, l'innommé 5 juillet, Dr. Ariel et Henry comme premier ministre, dans la nuit 6 pour 27, il y a assassiné, et qui est cité en poste, c'était Claude Joseph, avec comme premier ministre AI, et qui était en poste avec tout le cabinet. Après l'assassinat du président, comment pays a-t-il levé? C'est Claude Joseph qui était doué retirer l'école, par Ariel Henry qui partait au gouvernement? Monsieur Ariel Henry, qui gagne un moniteur, non, mais bon, comme du tout, lui-même, des films, des fois, note, j'étais un premier ministre de facto, nommé par un président de facto, parce que, encore une fois, pas de qu'un parlement, pas passé devant le parlement, et nous avons dit nous-mêmes, nomination irrégulière, parce que vous avez incroyable. Le président était de facto depuis le 7 février 2021, tout acte, et malheureusement, c'est le monde qui pourrait parler, mais c'est la question, ça. Tout acte. Que un président de facto qui prend après à partir de 7 février, à partir de 11 février 2021, c'est nul et non avenu, et moi continue de camper derrière ça, je suis sûr ça. Après le 7 février jusqu'à assassiner là, il a gagné le pouvoir de la force publique à elle, près de 99,9% de la population ne pas reconnaître lui. Mais il était là. Ils ont des contrôles des nationales, ils ont des contrôles de moniteurs, ils ont des contrôles. On a fait même, c'est pas nous qui assassiné le président. Encore une fois, nous déplorons ça parce que nous ne pas jamais de la violence. Maintenant, gros monde qui ont document nous-mêmes, parce que c'est ça. Maintenant, à cause de paresse parlementaire, je ne pas jamais dit au premier ministre comment pour installer ce salaire, ce président qui installe, c'est un barré qui est fait dans la caillou, pas un mot de gagné qui introduit ou introduit la et puis la Kairi, qui est cérémonie côté le premier ministre pas entendu pour bel discours, moi depuis un monde où on l'est pour les ministres longtemps, mais au premier ministre, ou désigné pour aller devant le Parlement pour étudier le dossier, un premier ministre de facto, qui est le Ariel Henry, et moi-même me pense à demain pour se descendre à la primature, même pas même dans la résidence officielle. À la primature, pour moi, la Jodiaï est sous-titrage derrière, moi, tout le monde caché et mis ça, à la privée si peu là-bas, même, c'est comme ça, procédure là-bas, pour premier ministre de facto, descendre la primature, prendre charge provisoirement, dans ce pays, il faut mon monde, il faut mon capitaine, il faut mon pilote à droite, et ça lui-même, pour le convoquer et. On est proche du pays rapidement pour une conférence, pour une réunion. Parce que nous avons une crise politique, donc il faut une solution politique à la crise politique pour te convoquer immédiatement le Sénat de la République, qui est la seule institution debout dans le pays. Il y a 10 sénateurs qui ont aimé, qui ont pas aimé, qui ont été bien nommés, qui ont été mal nommés, qui ont été mal élus. Il y a 4,5 qui ont vu des privilèges assez intéressants. Et il y a plus là-dedans, c'est Moun Lakayo dans le département qui mettait. Donc ce sont des élus. Donc, on va remettre, on va passer au Sénat pour le déconstruire rapidement
position rapidement. Et je dis à la, il faut que tu aies une décision qui prend une résolution Sénat et Premier ministre de facto Akita pour te mettre tête rapidement sans l'intervention de l'international pour te dire, mais ça nous constate, pas oublier, nous pas dans la constitution depuis 7 février 2020. Donc je dis à son solution politique et si solution cab, on est capable de consensus entre guillemets largement large de une grande frange de opposition de société civile organisée d'ailleurs gagner une commission et une commission qui pour cap essayer une solution haïtienne à crise haïtienne que moi même m'appuyer 100% des plusieurs commissions de la société civile qui travaille dont Baroyo etc et les droits humains etc donc on pense pour tout le monde ça sénateur, vous allez réunir le plus rapidement possible pour une nation, un gouvernement de transition, quid de tête, mais un président avec un problème de transition qui pour rapidement mettre l'ordre des ordres, parce que là, ça fait un an, côté pays, pas gagné. L'ordre, c'est des ordres qui étaient caractérisés. Gouvernement ça pendant ces derniers 4 mois et demi. OK, sénateur Nouvelle Libéo dans 2 minutes on m'a dit quand figure ça au bail là, il faut qu'on dans c'est malade, c'est Covid, dit fait le coucher dans cabane de limoui, ça s'assassiner assassiné. Donc quand figure au bail là et le fait qu'il est assassiné là, on prend l'autre et point qui rentre, on prend d'autres facteurs qui viennent entrer là que nous pas connaît. Donc c'est ton mot naturel, président. C'est malade, c'est malade de mourir. Non, mais remarquez que information et situation avait volé par exemple hier, nous étions supposés parler, nous avons eu aujourd'hui pour nous parler de l'état d'urgence et l'état de siège. Et de ça, nous avons parlé, c'était la besoin en train de parler, d'ailleurs, qui signe un cap des arrêtés, cap dit donner au palais national, alors que nous parlons de palais national, mais dit qu'on mourit, cap fait usurpation de type. Avec support quelques grands monde, je ne pas dire tout à l'heure là. Il y avait un monde de l'international là qui actuellement là en Haïti, qui a fait des ordres. Je me dis que nous-mêmes Haïtiens, qui avons trois, en pile, nous avons trois ans et demi, nous avons boumé en bas gouvernement de facto criminel ça. Je dis à mes dix peuples haïtiens, nous ne pouvons pas quitter pour ça passer. D'ailleurs, où est-ce que nous avons fait? Nous avons fait un état de siège. Pour dire que les gens qui ont été créés, ils ont été ouverts. Par la 78.1 de la constitution en vigueur claire, état de siège déclaré, le bon invasion étrangère, que je sache, pas une invasion étrangère. Que deuxième possibilité, c'est si on a une guerre civile dans le pays. Nous, on a parlé là, pas une guerre civile. Il y a quelques gangs qui ont fait des ordres, mais pas une guerre civile, car on peut piquer, et ainsi de suite. Donc, un, le président n'a pas créé Québec. Deux, il y a toujours le président pour déclarer sa siège, c'est devant l'Assemblée nationale là pour l'impel. L'Assemblée nationale n'existe pas. Donc, pour déclarer sa siège, c'est avec assentiment Parlement. Je vous dis, le Parlement n'existe pas. Et du Sénat qui l'a eu, que je sache, donc, il y a le sénateur du moyen, il n'a pas été consulté. Donc, c'est un monde qui a le fait Premier ministre et je veux dire, il trouve le président qui nous l'a arrêté à l'éditonner au palais national. Et lui, maintenant, déclaré l'article 49, la fait de lui le chef de l'État et le chef de gouvernement. Nous-mêmes, moi, dit et maintenu, il y a un coup d'État de Claude Joseph dans le coup d'État de Jovenel Moïse, père à son âme, nous dit, comme son problème politique, il faut une solution politique. Pas de politique, je veux dire, et ma fini là, moi demande toute force vive pays, les partis de l'opposition, pour une fois, un point et fois, je me connais chaque monde d'arrêté, chaque par le premier ministre, chaque monde d'arrêté, chaque monde par le président. Et nous, il y a quatre comme ça, nous avons une urgence, nous avons un monde, nous avons un futur tyran qui gagne rien de pays à nous-mêmes, mais un usurpateur de tripillé, c'est le prolongement du régime Jovenel Moïse, du régime de HPK, qui fait tellement de mal à pays, nous pas qu'à quitter coup d'état dans coup d'état. Continuez. Donc, moi, je vous dis, pour Sénat, et à travers le président, prenez une position rapide.
rapide, mouvement de société civile organisé et au compliment hier vous pourrez avec plus d'une cinquantaine de personnalités, en pile leader de partis politiques. Nous saluons Fremi Laval à la cité là, nous saluons Petit Bézal qui est là, nous saluons Combi qui est là, International qui est là, FPP est là. Sénateur, merci, nous finissons. Et moi je dis, pour société civile là, mettez avec les partis politiques de l'opposition, yo, avec le sénateur ou bien le Sénat, c'est parce que c'est mon monde, le Sénat qui est un leader qui est le président, même pas c'est mon monde, c'est le président, je ne parle pas de la personne. Le président du Sénat, pour nous mettre ensemble, je dois dire, avant journée, si population, mais si décision nous prend, pour nous retirer Claude Joseph côté lié là, et éventuellement gouvernement de transition, pour lui initier une enquête, pour nous connaître qui est qui a assassiné le président Jovenel Moïse pour Mounsayo, qui est payé pour faire, et monsieur Claude Joseph, s'il n'y a pas pris, je dois dire, il ira à l'école. Tranquillement, pacifiquement, lui-même tout, pour libérer les barreaux, pour usurpation de titre, parce que c'est un crime lié. Là, au monde, pour coûter tant pris, ben, moins 20 secondes, pour moi, couper bien bas, devant des pouilles. Tout le monde qui est mort dans le massacre qui s'est fait par ces derniers mois, et plus particulièrement devant des pouilles, président de la République, là, même s'ils sont opposants de Jovenel Moïse, APHTK. Nous-mêmes, nous ne pouvons jamais prôner la violence et nous condamner, même bien nous faire notre émission radio, nous passer une semaine tard, nous condamner avec la dernière rigueur, massacre, assassinat qui se fait par le président de propre même sécurité de l'eau. Mais comme ce n'est pas le sujet du jour, l'enquête là a révélé, puis devant, ce n'est pas Colombien que ce président, c'est sécurité de l'eau même qui tue. Maintenant, article 49. Article 49, là, dans la Constitution. Qui soit disant en vigueur là, que même. Sénateur, excusez-moi, vous dites que c'est sécurité le tuer lui. Nous pas qu'il doit aller sur ça. Mes amis, vidéo, 3h, 4h, 5h, 6h du matin, Colombien a marché librement dans la rue Pétionville, librement. C'est un grand pick-up qui était propane, nous, qui était tombé dans la là, où Colombien a marché librement dans la rue Pétionville. Parce que eux-mêmes, ils connaissent ces employés de l'État haïtien. Et c'est pratiquement si enquête va révéler, c'est même eux-mêmes dans la boule, que ils habitent dans Pétionville depuis des semaines, qui est là-dedans depuis des mois. Ce sont des employés, des contractuels de l'État haïtien. Pas de doute sur ça. Mais en cité, Léon Charles continue à mentir. Éventuellement, la vérité sortira du puits. Et la population, qui fait qu'on ne pas déjà lui-même, et pas bien condamné à ça. Bien colombien, qui fait prendre vine de la police là, et je dis à la nega fait politique à ça, mais vraiment dit la vérité absolue dans les heures ou jours à venir, il n'est que la fin. Même je nous connais, sénateur, même je nous connais poser mon qui porte mon question sur genre de résultats rapides de l'enquête. En mode ça, quand on a une information ça, ou même? Et pendant que vous avez un jour, vous avez fait un petit minute d'intelligence, on y garde le timeline, sans stress. De toute façon, autopsie exactement à qui veut mourir. Heureusement, Martin Moïse a mouru exactement pour parler. Donc, moi, je dis en quitté autorité au travail. Je me déplace pour le nom. Hier, j'ai un bloc de mulas, mais qui mourit. Parce que vous remarquez que c'est l'ISPN qui l'a fait. L'ISPN travaille pour sécuriser le président et palais national. Vous remarquez que c'est l'ISPN qui a fait la chasse aux Colombiens et vous connaissez Cubain qui est victime, les Mexicains qui victime, qui paraît les discours qui victime. Moi, je dis, nous devons tout simplement souligner ça à attention population pour dire attention, nous paquet amalgame à faire, il y a un coup d'État, qui fait, et nous allons parler de ça, donc nous devons dire attention, et il y a un amalgame qui fait, même si vous recevez. De toute façon, DCP a une responsabilité pour dire exactement ce qui passait dans la 6 au 7 juillet 2021. Alors, maintenant, article 59. Constitution qui est là, c'est ouf. Comme des bouquets par les salles dans ma chute 9, nous baillons pour Evio. Constitution qui envie à l'ISPA ferme, monsieur Claude Joseph, présente comme premier. D'ailleurs, Claude Joseph, toute nouvelle, sans stress, 69.9. Sénateur,
Sénateur, je ne sais pas qui position il y a là, mais il a coupé de temps en temps. Si tu es capable de faire un petit mot d'habitude. Avec documents devant la constitution et quelques documents. Eh bien, ok. C'est quand on conduit un compte là, on va aller, mais la fête. Oui, c'est même quand je suis pas déplacé. C'est quand même, effectivement, même si tu as. Continue. Toute nouvelle. Alors, l'article 49 est clair. Et, mais avant maintenant, l'article 49 là, on dit Claude Moïse et Claude Joseph n'ont ni qualité pour le même chita pour le chita. C'est un ancien premier ministre de facto remplacé pour même poké pour Jovenel Moïse quelques heures avant son assassinat. Donc Claude Moïse et Claude Joseph, excusez-moi, M. Claude Moïse, mais après acte de principe, la paix là-haut, M. Bagnan, quelle chance pour rien encore dans le pays. Ceci étant, on est dans la constitution. Article 49, il clairement dit, trois premières années, le président incapable, il démissionne, l'assassiné, il mourit, il a sacrifié là, pour quelque raison que ce soit, il n'est pas là, premier ministre, qui, premier ministre, a remplacé, moi-même, le premier ministre, il dit, et le conseil des ministres, mais sous la présidence du premier ministre, le remplace. Et c'est pour 120 jours pour faire élection, non moins de 120 jours pour mon nouveau président qui finit. Quatrième et cinquième année, mandat, je dis à un grand débat, est-ce que nous sommes en quatrième année? Moi-même, je pense que nous sommes en cinquième année, et cinquième année a fini. Mais si on dit que nous sommes tel Jovenel Moïse, et. On dit lui-même, il a dit que c'est ce qui m'a dit la commencé là, qui a fini cette février 2022. Si c'est ça, nous-mêmes, on a tel que le mandat est fini. On prétend ça, que y a quelques épouses dans le pays qui finit. Non, quatrième et cinquième année mandat, c'est l'Assemblée nationale qui constate le président pas là, qui se réunit de chambre, qui accepte des candidatures, qui font vote, qui mettent au monde premier ministre, encore une fois, pour 120 jours pour nous organiser l'élection. Donc, je dis à la Claude Joseph, ancien premier ministre de facto, n'est pas habilité à écrire ni document, ni parler dans le nom gouvernement, ni parler dans le nom l'État haïtien, ni parler comme ministre. C'est Claude Moïse et Claude Joseph, je dis à qui n'a pas qu'une qualité pour faire ça. C'est là. Deuxième bagaille, nous, je dis à Claude Joseph, n'est pas premier ministre de mon pays. Un usurpateur de titre lié et lié pour payer à répréhensible l'affaire avec Madame Laline là. Nous clarifions ça et d'ailleurs, nous-mêmes hier, nous sortis une résolution et nous disons où elle est, le civil là et moi-même signataire de cette résolution, nous condamnons coup d'État qui fait un coup d'État. Sénateur Benoît, on retourne sur la réalité, sur la situation qui a sur la réalité avant l'assassinat du président, l'innommé 5 juillet, Dr. Ariel et Henry comme premier ministre, dans 8 et 6 pour 27, il a assassiné, et qui est cité en poste, c'était Claude Joseph, avec comme premier ministre AI, et qui était en poste avec tout le cabinet. Après l'assassinat du président, comment pays a-t-il levé? Et Claude Joseph, qui était doué, retirer quoi? Par Ariel Henry, qui passe même le gouvernement? Monsieur Ariel Henry, qui gagne un moniteur, non mais bon, comme du tout, lui-même, des films, des fois sur notre, j'étais un premier ministre de facto, nommé par un président de facto, parce que, encore une fois, pas de parlement, pas passé devant le parlement, et nous avons dit nous-mêmes, nomination irrégulière, parce que vous avez été incroyant. Le président était de facto depuis le 7 février 2021, tout acte, et malheureusement, c'est le monde qui peut parler, mais c'est la question, là, tout acte. Que un président de facto qui prend après à partir de 7 février, à partir de 11 février 2021, c'est nul et non avenu, et moi, je continue de camper derrière ça, je suis sûr que ça fait. Après le 7 février jusqu'à qu'il assassine là, il a gagné le pouvoir de la force publique avec elle, près de 99% de la population pas reconnaître lui. Mais l'OTA, ils ont des contrôles de l'ingresse national, ils ont des contrôles de moniteur, ils ont des contrôles. On a fait même, c'est pas nous, même, c'est pas nous qui avons assassiné le président. Encore une fois, nous déplorons ça parce que nous n'avons pas jamais le droit de la violence. Maintenant, pour les gens qui ont des documents nous-mêmes, parce que je crois ça. Maintenant, à cause de paresse parlementaire, je n'ai pas jamais dit au premier ministre comment pour installer ce président qui est installé, ce président qui est installé, c'est un barré qui est installé dans la caillou, pas un mot trouvé. Gagné qui introduit ou introduit la et puis la caillerie, qui est cérémonie côté du premier ministre, pas dans le groupe d'Eldis, pour moi depuis, ou mon, ou on l'est,
Premier ministre, longtemps, mais au Premier ministre, ou désigné pour aller devant le Parlement pour étudier le dossier, un Premier ministre de facto, qui est le Ariel Henry, et moi-même, je pense à demain, pour le descendre à la primature, même pas même dans la résidence officielle, à la primature, pour moi, la Jodia est sous-titrage derrière, moi, tout le monde caché et miso, à la primature là-bas, même, pour cette procédure là-bas, pour Premier ministre de facto, descendre la primature, pour le charge provisoirement, parce que le pays a fait un monde, pour mon capitaine, pour mon pilote, et ça lui-même, pour le convoquer, et on est proche du pays rapidement, pour une conférence, pour une réunion, parce que nous avons une crise politique, donc il faut une solution politique à la crise politique, pour le convoquer immédiatement le Sénat de la République, qui est la seule institution debout dans le pays. Il y a 10 sénateurs qui ont aimé, qui ont pas aimé, qui ont bien nommé, qui ont mal nommé, qui ont mal élu. Il y a 4 ennemis qui ont vu des privilèges assez intéressants. Et il y a plus là-dedans, c'est Moun Lakay dans le département qui mettait. Donc ce sont des élus qui ont aimé, qui ont pas aimé. Je pense que le Sénat faut le consulter rapidement pour le prendre position rapidement. Et je dis à là, il faut que tu aies une décision qui prend une résolution Sénat et le Premier ministre de facto à qui là. Pour yon te mette tête yon rapidement, sans l'intervention de l'international, pour yon dit, mais ça nous constate, pas oublier, nous pas dans la constitution depuis 7 février 2020, donc je veux dire, son solution politique, et si solution cab, par contre, cab, nous consensus, entre guillemets, largement large, de une grande frange de opposition, de société civile organisée, d'ailleurs, gagne une commission. Et bon commission qui pour essayer de nous une solution haïtienne à la crise haïtienne, que moi je m'appuie 100%. Il y a plusieurs commissions de la société civile qui travaillent, dont Baroyo, etc., et les droits humains, etc. Donc, je pense que pour tout le monde, ça, je vais le faire hier, mais comme ça, sénateur, sénateur. Pour tout le monde, ça, réuni le plus rapidement possible pour la nation, un gouvernement de transition, quid de tête, mais. Et un président avec un premier ministre de transition qui pour rapidement mettre l'ordre des ordres parce que là, ça fait un an que le pays n'a pas gagné l'ordre des ordres qui étaient caractérisés le gouvernement ça pendant ces derniers 4 mois et demi. Ok, c'est notre nouvelle libéraux dans 2 minutes. Tout le monde a dit, quand tu figures ça au bain là, il faut qu'on t'en souffre, c'est malade, c'est Covid, c'est fait le coucher dans la cabane de l'imoui, ça s'est assassiné. Donc, quand tu vois pas là, et le fait qu'il a assassiné là, on prend l'autre et point qui n'entre, on prend d'autres facteurs qui viennent entrer là que nous ne connaissons pas. Donc, c'est un mot naturel, président. C'est malade, t'es malade de mourir. Non, mais remarquez que l'information et situation avait volé par exemple hier, nous sommes supposés parler, nous avons eu le bouton de dire qu'on nous parler de l'état d'urgence et l'état de siège. Et le sang n'a pas parlé, c'était. Il a besoin en train de parler, d'ailleurs qui signe des arrêtés, qui a dit donner au palais national, alors que M. parle de palais national, mais dit bon monde qui a fait usurpation de type avec support quelques grands mondes, pas dit tout à l'heure là. Il y avait un monde international là qui actuellement là en Haïti, qui a fait des ordres, mais je dis que nous-mêmes Haïtiens, qui gagnent trois, en pile, nous gagnons 3 et demi à boumer en bas gouvernement de facto criminel ça. Je dis à mes petits peuples haïtiens, nous pas qu'à quitter pour ça passer. D'ailleurs, où est-ce que nous avons fait? Nous avons fait ça de siège pour faire des choses. Pour dire que nous avons fait des choses, nous avons fait par la 78.1 de la constitution en vigueur claire. État de siège déclaré, le bon évasion étrangère, que je sache, pas d'évasion étrangère. Que deuxième possibilité, c'est si qu'on guerre civile dans le pays. Nous, on a parlé là, pas de guerre civile. Il y a quelques gangs qui ont fait des ordres, mais pas de guerre civile, car on peut piquer, et ainsi de suite. Donc, un, le président n'a pas créé par Québec. Deux, il y a toujours le président pour déclarer sa siège, c'est devant l'Assemblée nationale là pour l'impel. L'Assemblée nationale n'existe pas. Donc, pour déclarer sa siège, c'est avec assentiment parlement. Je vous dis, le Parlement n'existe pas, et 10 sénateurs qui l'ont, que je sache, en tout cas, il y a des sénateurs du Moyen, il n'a pas été consulté,
Donc c'est un monde qui est le premier ministre et je dis à l'étude du président qui nous l'a arrêté à l'éditonner au palais national et lui même déclaré en 649 la fait de lui le chef de l'État et le chef de gouvernement. Nous même moi dit et maintenu il y a un coup d'État de Claude Joseph dans le coup d'État de Jovenel Moïse, paix à son âme, nous dit comme son problème politique, il faut une solution politique. Pas de constitution, je vais dire, et ma fini là, moi demande toute force vive pays, les partis de l'opposition, pour une fois, un point fort, je vais me connaître chaque monde d'arrêter, chaque monde par le premier ministre, chaque monde d'arrêter, chaque monde par le président. Et nous, comme ça, nous avons une urgence, nous avons un monde, nous avons un futur tyran qui gagne rien de pays à nous-mêmes, mais un usurpateur de tripier, c'est le prolongement du régime Jovenel Moïse, du régime de PHTK, qui fait tellement de mal à pays, nous ne pouvons pas quitter coup d'État dans le coup d'État, continuer. Donc, je demande aujourd'hui pour le Sénat. Et à travers le président, prend une position rapide, rapide. Mouvement de société civile organisée, et au compliment, hier, vous pourrez avec plus d'une cinquantaine de personnalités, en pile leader de partis politiques. Nous saluons le premier la cité là, nous saluons le petit Bézalé qui est là, nous saluons le combi qui est là, international qui est là, FPP qui est là. Senateur, merci, nous finissons. Et moi, je dis à la société civile là, mettez avec les partis politiques de l'opposition, yo. Avec le sénateur ou bien le Sénat, c'est pas cité dans le monde, le Sénat qui est un leader qui est le président, même pas cité dans le monde, c'est le président, je ne parle pas de la personne, le président du Sénat, pour nous mettre ensemble, je dois dire, avant journée, si population, mais si décision nous prend pour nous retirer Claude Joseph côté lié là, et éventuellement gouvernement de transition, pour lui initier une enquête pour nous connaître qui est qui a assassiné le président Jovenel Moïse pour Mountayo. Il est payé pour faire ça. Et M. Claude Joseph, s'il n'y a pas pris le dossier, il est allé à l'école tranquillement, pacifiquement, lui-même tout, pour lui derrière les barreaux pour usurpation de titre, parce que son crime lié, le monde faut coûter. T'en prie, ben moi, 20 secondes pour moi couper bien bas devant des pouilles. Tout le monde qui est mort dans le massacre qui s'est fait ces derniers mois, et plus particulièrement devant des pouilles président de la République, là, même s'ils sont opposants à Jovenel Moïse, à PHTK, nous-mêmes, nous ne pouvons jamais prôner la violence et nous condamner, même bien nous fermer toute émission radio, nous passer toute semaine tard, nous condamner avec la dernière rigueur, massacre, assassinat qui s'est fait par le président de propre même sécurité lieu. Mais comme ce n'est pas le sujet du jour, l'enquête là a révélé, puis devant, c'est pas Colombien, ce président, c'est sécurité, lui-même qui tue. Maintenant, article 49. Article 49, là, dans la Constitution, qui soit disant en vigueur là, que même. Sénateur, excusez-moi, vous dites que c'est sécurité, le tue, lui. Nous voyons qui doit aller sur ça. Mes amis, vidéo, 3h, 4h, 5h, 6h du matin, Colombien a marché librement dans la rue Pétionville, librement. C'est un grand pick-up qui te propane. Nous, qui te tombé dans la où est Colombien a marché librement dans la rue de Pétionville, parce que eux même connaissent ses employés, l'État haïtien. Et c'est pratiquement si enquête a révélé, c'est même eux même dans la boule, que ils habitent Pétionville depuis des semaines, qui est là-dedans depuis des mois. Ce sont des employés, des contractuels de l'État haïtien. Pas rien de doute sur ça. Mais en entité, Léon Charles continue à mentir, éventuellement la vérité sortira du puits et population qui se connaît pour déjà lui-même et pas bien condamné à ça à faire sous les Colombiens, à faire vine de la police là, et je dis à la négat fait politique à ça, mais vraiment dit la vérité a sorti dans le puits dans les heures ou jours à venir, il n'est que la preuve. Même je nous connais, sénateur, même je nous connais poser mon équipe mon question sur genre de résultats rapides de l'enquête. En demandant ça, quand on a une information ça vous-même. Information ça, monsieur, vous pouvez faire un petit minute d'intelligence, on y garde le timeline, garde le vidéo, de toute façon, autopsie exactement à qui veut mourir. Heureusement, Martin Moïse a mouru, il a bien pour parler. Donc, moi, je dis, on quitte l'autorité, on fait travail. Hier, il y a un bloc
c'est ISPN qui l'a GLPN qui a validé sécurité président et palais national. Remarquez que c'est ISPN qui a fait la chasse au Colombiens et vous connaissez Cubé qui victime, qui est victime, qui victime, qui paraît mes discours qui victime. Moi, je dis, nous devons tout simplement souligner ça à attention population, pour dire attention, nous ne pouvons pas amalgame à faire. Il y a un coup d'État, qui fait, et nous allons parler de ça. Donc, je dis attention, et il y a un amalgame qui fait, même si vous recevez de toute façon, des effets de responsabilité pour dire exactement ce qui passait dans la 6 au 7 juillet 2021. Alors, maintenant, article 59. Constitution qui est là, c'est où comme des bouquets par les salles de magistrats, nous baillons pour évio. Constitution qui est en vie, n'est pas permis, monsieur Claude Joseph, présenté comme premier ministre. D'ailleurs, Claude Joseph, toute nouvelle, sans stress, sous 6.9. Sénateur, président, oui. Sénateur, je ne sais pas qui position il y a dans la mais la coupée de temps en temps, si tu es capable de faire un petit peu de d'habitude. Avec documents devant, constitution et quelques documents. Eh bien, ok, c'est ce qu'on conduit en compte là, on va aller, mais la fête. Oui, c'est même côté, si tu n'as pas déplacé. C'est quand même, effectivement, même si tu as. Continue. Toute nouvelle. Alors, l'article 59 est clair. Mais avant maintenant, l'article 59 là, on dit Claude Moïse et Claude Joseph n'ont pas ni qualité pour le même chita côté de chita. C'est un ancien premier ministre de facto remplacé ou même révoqué par Jovenel Moïse quelques heures avant son assassinat. Donc Claude Moïse et Claude Joseph, excusez-moi, M. Claude Moïse, mais après acte de principe la paix là-haut, M. Bagnan, quelle chance pour rien encore dans le pays. Ceci étant dit, on était dans la constitution. Article 49, il clairement dit trois premières années, si le président est capable de démissionner, l'assassiner, il mourit. Et la sacrifice là, pour quelque raison que ce soit, si pas là, premier ministre, là, qui, premier ministre, a remplacé, même si premier ministre, dit, le conseil des ministres, mais sous la présidence du premier ministre, le remplace. Et c'est pour 120 jours, pour faire élection, dans moins de 120 jours, pour mon nouveau président qui finit. Quatrième et cinquième année, mandat, je dis à un grand débat, est-ce que nous sommes dans quatrième année, moi-même, je pense que nous sommes dans cinquième année, et cinquième année a fini. Mais si on dit que nous étions tel Jovenel Moïse, et on dit lui-même, il a dit que c'est cinquième année a commencé là, qu'a fini cette février 2022. Si c'est ça, nous-mêmes, on a tel que le mandat est fini. On prend tel ça, que y a quelques mouns, quelques 1% dans le pays qui finit. Non, quatrième et cinquième année mandat, c'est l'Assemblée nationale qui constate que le président pas là, qui se réunit de chambre, qui accepte des candidatures, qui font vote, qui mettent mon premier ministre, encore une fois, pour 120 jours pour nous organiser l'élection. Donc, je dis à la, Claude Joseph, ancien premier ministre de facto, n'est pas habilité à écrire ni document, ni parler dans le gouvernement, ni parler dans le l'État haïtien, ni parler comme ministre. Sur Claude Moïse et Claude Joseph, je dis à il n'y a qu'une qualité pour faire ça. C'est là. Deuxième bagaille, nous, par contre, Claude Joseph, n'est pas premier ministre de mon pays, c'est un usurpateur de titre lié et lié pour payer à répréhensible la paix avec Madame Laline là. Nous clarifions ça et d'ailleurs, nous-mêmes hier, nous sortis pour résolution et nous disons où elle est, le secrétaire civil là et moi-même signataire de cette résolution, nous condamner coup d'État qui fait un coup d'État. Sénateur Benoît, on retourne sur la réalité, sur la situation qu'il y a, sur la réalité avant l'assassinat du président, l'innommé 5 juillet, Dr. Ariel et Henry comme premier ministre. Dans la nuit 6 ou 7, il y a assassiné, et qui est cité en poste, c'était Claude Joseph, avec comme premier ministre AI, qui était en poste avec tout le cabinet. Après l'assassinat du président, comment il y a t'a plevé? Et Claude Joseph était doué retirer l'école, par Ariel Henry qui n'a pas fait le gouvernement? Monsieur Ariel Henry, qui gagne un moniteur, non mais bon, comme du tout, lui-même, il me dit, il me dit, j'étais un premier ministre de facto, nommé par un président de facto, parce que, encore une fois, pas de gain parlement, pas passé devant le parlement, et nous te dit nous-mêmes, nomination irrégulière, parce que vous me dites, incohérent, le président était de facto depuis le 7 février 2021, tout acte, et malheureusement, c'est
de un monde qui pour parler mais c'est la question là tout acte que un président de facto qui prend après à partir de 7 février à partir de 11 février 2021 c'est nul et non avenu et moi continuer camper derrière ça je suis sûr ça après le 7 février jusqu'à il assassiné là il t'a gagné le pouvoir de la force publique avec elle. Près de 99.9% de la population n'a pas reconnaître lui. Mais il y a des gens qui ont des contrôles de l'ingresse nationale, il y a des contrôles de moniteurs, il y a des contrôles. On a fait même, c'est pas nous, même, c'est pas nous qui avons assassiné le président. Encore une fois, nous déplorons ça parce que nous ne pas jamais prendre de la violence. Maintenant, gros monde qui a un document dans même, parce que je crois ça. Maintenant, à cause de paresse parlementaire, je ne vais pas jamais dire au premier ministre. Comment pour Haïti, qui a fait des ordres, mais je dis que nous-mêmes, Haïtiens,
qui gagne trois, en pile, nous gagne trois ennemis, nous avons gourmé en bas gouvernement de facto criminel. Ça, je dis à mes peuple haïtien, nous pas qu'à quitter pour ça passer. D'ailleurs, où est-ce que nous avons fait? Nous avons fait un état de siège pour dire que nous avons fait un monde de l'éouvre. Par là, 78.1 de la constitution en vigueur claire. État de siège déclaré, le bon invasion étrangère, que je sache, pas d'invasion étrangère. Que deuxième possibilité, c'est si on guerre civile dans le pays. Nous, on a parlé là, pas de guerre civile. Il y a quelques gangs armés qui ont fait des ordres, mais pas de guerre civile, car on peut piquer, et ainsi de suite. Donc, eux, ils ont dit à la barque de deux, ils ont dit le président pour déclarer sa siège, c'est devant l'Assemblée nationale là pour l'impel. L'Assemblée nationale n'existe pas. Donc, pour déclarer sa siège, c'est avec assentiment parlement. Je vous dis, le parlement n'existe pas. Et du sénateur qui l'a eu, que je sache, donc on a été attendu moyen, on n'a pas été consulté. Donc c'est Oumoun qui est le tête li, premier ministre, et je veux dire, il trouve le tête président, qui nous l'a arrêté à l'éditonner au palais national. Et lui même déclaré article 49, la fait de lui le chef de l'État et le chef de gouvernement. Nous même moi dit et maintenu, il y a un coup d'État de Claude Joseph dans le coup d'État de Jovenel Moïse, père à son âme, nous dit, comme son problème politique, il faut une solution politique. Pas de politique, je veux dire, et ma fini là, moi demander toute force vive pays, hein, les partis de l'opposition, pour une fois, un point fort, je me connais chaque monde d'arrêté, chaque pays au premier ministre, chaque monde d'arrêté, chaque monde d'arrêté au président. Il n'y a pas comme ça. Nous avons une urgence. Nous avons un monde. Nous avons un futur tyran qui gagne rien de pays à nous-mêmes. C'est un usurpateur de tripier. C'est le prolongement du régime Jovenel Moïse, du régime de Afrika. Il fait tellement de mal à pays. Nous n'avons pas quitté le coup d'État dans le coup d'État. Continuer. Donc, moi, je vous dis, aujourd'hui, pour le Sénat, à travers le président, prenez une position rapide, rapide. Mouvement de société civile organisée et au compliment hier au forum avec plus d'une cinquantaine de personnalités, en pile leader de partis politiques. Nous saluons le premier Laval à la cité là, nous saluons le petit Bézal qui est là, nous saluons le combi qui est là, international qui est là, FPP qui est là. Donc, merci, oui, nous finissons. Et moi je dis à la société civile là, mettez avec les partis politiques de l'opposition, yo, avec le sénateur ou bien le Sénat. C'est parce que c'est mon monde, le Sénat, qui a un leader qui c'est le président, même parce que c'est mon monde, c'est le président, on ne parle pas de la personne, le président du Sénat, pour nous mettre ensemble, je dois dire, avant journée, si population, mais si décision nous prend, pour nous retirer Claude Joseph côté lié là, et éventuellement gouvernement de transition, pour lui initier une enquête, pour nous connaître qui est qui a assassiné le président Jovenel Moïse pour Mounsayo, il paye pour faire quoi? Et M. Claude Joseph, s'il n'y a pas pris le jour d'y aller à l'école, tranquillement, pacifiquement, lui-même tout, pour libérer les barreaux, pour usurpation de titre, parce que son crime lié, le monde, il faut que tu prie au moins 20 secondes pour moi couper bien bas devant des pouilles. Tout le monde qui est mort dans le massacre qui s'est fait là ces derniers mois, et plus particulièrement devant des poules président de la République, là, même s'ils sont opposants de Jovenel Moïse à PHTK, nous-mêmes, nous ne pas jamais prôner la violence et nous condamner, même bien nous faire notre émission radio, nous passer tout ce semaine temps, nous condamner avec la dernière rigueur, massacre, assassinat qui sont faits par le président de propre même sécurité lieu. Mais comme ce n'est pas le sujet du jour, enquête là a révélé, puis devant, ce n'est pas Colombien que ce président, c'est sécurité lieu même. Maintenant, article 49. Article 49, là, dans la Constitution, qui soit disant en vigueur là, que même. Sénateur, excusez-moi, vous dites que c'est sécurité le petit Eli. Nous allons aller tout à l'heure. C'est le petit Eli, mes amis. Vidéo, 3h, 4h, 5h, 6h du matin, Colombien a marché librement dans la rue Pétionville, librement. C'est un grand pick-up qui était propane. Nous, qui était tombé dans la rue, là, où Colombien a marché librement dans la rue Pétionville. Parce que eux-mêmes, ils connaissent, c'est employer l'État haïtien.
et c'est pratiquement si enquête a pas révélé c'est même yo même dans la boule que yo habite respecte ville depuis des semaines qui est là dedans depuis des mois ce sont des employés des contractuels de l'État haïtien pas rien doute tout ça mais entité Léon Charles continue de menti éventuellement la vérité sortira du puits et population qui peut qu'on réponse déjà dit même et pas bien condamné à ça fait sous les colombiens fait prendre ville et deux vine de la police là et je dis à la mais gars fait politique à ça mais vraiment dit la vérité absolue dans les heures ou jours à venir il n'est que la preuve. Même je nous connais sénateur même je nous connais poser mon qui porte mon question sur genre de résultat rapide de l'enquête un mot de ça quand j'ai information ça ou même information ça monsieur vous pouvez faire son petit minute d'intelligence on y garde timeline là garde et toute façon automobile exactement à qui veut mourir heureusement Martin Motamou les gars qui vous parlez donc moi je dis en quitté autorité au fait travail je me déplace pour pardon hier j'ai bloqué et il a mourir parce que vous remarquez que c'est ISN qui l'a ISN qui a été sécurisé président et palais national vous remarquez que c'est ISN qui a fait la chasse au Colombien et vous connaissez Cubain qui victime, bien mais qui victime, qui paraît métis ou mulat qui victime. Moi je dis, nous devons tout simplement souligner ça à attention population, pour dire attention, non pas qu'il y ait amalgame, il y a un coup d'État, qui fait, et nous allons parler de ça, donc moi je dis attention, et il y a un amalgame qui fait, même si vous recevez de toute façon, bien c'est fait. Responsabilité pour dire exactement ce qui passait dans la 6 au 7 juillet 2021. Alors, maintenant, article 59. Constitution qui est là, c'est où comme des bouquets par le salon magique 9, nous baillons, Constitution qui envie à l'ISPA ferme, monsieur Claude Joseph, présente comme premier ministre. D'ailleurs, magique. Claude Joseph, toute nouvelle, sans stress, sous 6.9. Sénateur, je ne sais pas qui position il y a dans le cas, mais il a coupé de temps en temps, si tu es capable de faire un petit mot de d'habitude. Avec documents devant, constitution et quelques documents. Eh bien, ok, c'est ce qu'on compte, on compte là, on nous aller, mais la fête. Oui, c'est même pour dire si tu n'as pas déplacé. C'est quand même, effectivement, même si tu as. Continue. Toute nouvelle. Alors, l'article 59 est clair. Et, mais avant maintenant, l'article 59 là, on dit. Claude Moïse et Claude Joseph n'ont ni titre ni qualité pour le même Chita contre Chita. C'est un ancien premier ministre de facto remplacé pour même Roquet Bonjovenel Moïse quelques heures avant son assassinat. Donc Claude Moïse et Claude Joseph, excusez-moi, M. Claude Moïse, mais après acte de principe la fin d'ailleurs, M. Bagnan, qu'il y a une chance pour rien encore dans le pays. C'est ça, on est dans la Constitution. Article 49, il clairement dit trois premières années. Le président incapable, il démissionne, l'assassine, il mouille, il a sacrifié là, pour quelque raison que ce soit. Il n'est pas là, premier ministre, qui, premier ministre, a remplacé, même si le premier ministre a dit, le conseil des ministres, mais sous la présidence du premier ministre, le remplace. Et c'est pour 120 jours, pour le faire élection, dans moins de 120 jours, pour mon nouveau président qui finit. Quatrième et cinquième année, mandat, je dis à un grand débat. Est-ce que nous dans la quatrième année, moi-même, moi pense que nous dans la cinquième année, et cinquième année a fini, mais si on dit que nous sommes tel Jovenel Moïse, et on dit lui-même, il a dit que la cinquième année a commencé là, qu'a fini cette février 2022. Si c'est ça, nous-mêmes, nous sommes tels que le mandat est fini, et on prétend ça, que y a quelques mounes, quelques 1% de pays qui finit. Dans la quatrième et cinquième année mandat, c'est l'Assemblée nationale qui constate que le président pas là, qui se réunit de chambre, qui accepte des candidatures, qui font vote, qui mettent mon premier ministre, encore une fois, pour 120 jours pour nous organiser l'élection. Donc, je dis à la, Claude Joseph, ancien premier ministre de facto, n'est pas habilité à écrire ni document, ni parler dans le gouvernement, ni parler dans le nom de l'État haïtien, ni parler comme ministre. Claude Joseph Godia, qui n'a pas qu'une qualité pour faire ça. Deuxième bagaille, nous, Claude Joseph n'est pas
premier ministre de mon pays, de usurpateur de titre lié et lié pour payer à répréhensible l'affaire avec madame la ligne là. Nous clarifions ça et d'ailleurs, nous-mêmes hier, nous sommes dit une résolution et nous disons où elle est, le civil là et moi-même signataire de cette résolution, nous condamnons coup d'État qui fait un coup d'État. Sénateur Benoît, on retourne sur réalité, sur situation qui a sur réalité avant assassinat président, l'innommé 5 juillet, Dr. Ariel et Henry comme premier ministre, le dans 8 et 6 pour 27, il y a assassiné, et qui est cité en poste, c'était Claude Joseph, avec comme premier ministre AI, et qui était en poste avec tout le cabinet. Après assassinat et président, comment pays a-t-il levé? C'est Claude Joseph qui était doué retirer l'école, par Ariel Henry qui passe le gouvernement? Monsieur Ariel Henry, qui gagne un moniteur, non mais bon, comme du tout, lui-même, des films, des fois, j'étais un premier ministre de facto, nommé par un président de facto, parce que, encore une fois, pas de parlement, pas passé devant le parlement, et nous avons dit nous-mêmes, nomination irrégulière, parce que vous avez incohérent. Le président était de facto depuis le 7 février 2021, tout acte, et malheureusement, c'est le monde qui peut vous parler, mais c'est la question, ça. Tout acte que le président de facto qui prend après à partir de 7 février, à partir de 11 février 2021, c'est nul et non avenu, et moi, je continue à camper derrière ça, parce que si on après le 7 février jusqu'à assassiner là, il a gagné le pouvoir de la force publique à elle, près de 99,9% de la population ne pas reconnaître lui. Mais il était là. Ils ont des contrôles d'ingrès national, ils ont des contrôles de moniteurs, ils ont des contrôles. On a fait même, c'est pas nous qui assassiné le président. Encore une fois, nous déplorons ça parce que nous ne pas jamais de la violence. Maintenant, gros monde qui ont document nous-mêmes, parce que c'est ça. Maintenant, à cause de paresse parlementaire, je ne pas jamais dit au premier ministre comment pour installer ce salaire, ce président qui installe, c'est un barré qui est fait dans la caillou, pas un mot de gagné qui introduit ou introduit la et puis la Kairi, qui est cérémonie côté le premier ministre pas entendu pour bel discours, moi depuis un monde où on l'est pour les ministres longtemps, mais au premier ministre, ou désigné pour aller devant le Parlement pour étudier le dossier, un premier ministre de facto, qui est le Ariel Henry, et moi-même me pense à demain pour se descendre à la primature, même pas même dans la résidence officielle. À la primature, pour moi, la Josiane est sous-titrage derrière, moi, tout le monde caché et mis ça, à la vie de ce peuple là-bas, même, c'est comme ça, procédure là-bas, pour le premier ministre de Parfois, descendre la primature, prendre charge provisoirement, dans ce pays, il faut que le monde, il faut que le capitaine a fait, il faut que le pilote a fait, et ça lui-même, pour le convoquer et. On est proche du pays rapidement pour une conférence, pour une réunion. Parce que nous avons une crise politique, donc il faut une solution politique à la crise politique pour te convoquer immédiatement le Sénat de la République, qui est la seule institution debout dans le pays. Il y a 10 sénateurs qui ont aimé, qui ont pas aimé, qui ont été bien nommés, qui ont été mal nommés, qui ont été mal élus. Il y a 4,5 qui ont vu des privilèges assez intéressants. Et il y a plus là-dedans, c'est Moun Lakayo dans le département qui mettait. Donc ce sont des élus. Donc, il y a un gouvernement qui pense que le Sénat va le consulter rapidement pour le prendre position rapidement. Et je dis à là, il faut que vous ayez une décision qui prend une résolution Sénat et le Premier ministre et de facto à qui là pour le mettre rapidement sans l'intervention de l'international pour le dire, mais ça nous constate, pas oublier, nous pas dans la constitution depuis 7 février 2020. Donc, je veux dire, son solution politique. Et si solution, cab, un consensus, entre guillemets, largement large, de une grande frange de opposition, de société civile organisée. D'ailleurs, il y a une commission, et une commission qui pour essayer de une solution haïtienne à la crise haïtienne, que moi, je m'appuie 100%. Il y a plusieurs commissions de la société civile qui travaillent, dont Baroyo, etc. Les droits humains, etc. Donc, on pense que tout le monde, il y a des faits hier, mais comme on l'a fait là, sénateur, tout le monde est réuni le plus rapidement possible pour une nation, un gouvernement de transition, quid dit ou tête, quid dit de tête, mais
et un président avec un premier ministre de transition qui pour rapidement mettre l'ordre des ordres dans cela fait un an pour le pays a pas gagné l'ordre des désordres qui était caractérisé gouvernement ça pendant ces derniers pour les 4 mois et demi. OK, sénateur nouvelle libéré dans 2 minutes, tout le monde a dit quand figure ça au bail là, il faut qu'on dans ce président c'est malade, c'est malade, c'est Covid, dit faire le coucher dans cabane de limouille, ça s'assassiner, assassiner. Donc quand figure au bail là et le fait qu'il assassiner là, on prend l'autre et point qui n'entre, on prend d'autres facteurs qui viennent entrer là que nous pas connait. Donc il faut qu'on dans c'est ton bon naturel président, je sais c'est malade, c'est malade de mourir. Non, mais et remarquez que information yo et situation avait volé par exemple hier, nous étions supposés parler, nous avons eu aujourd'hui pour nous parler de l'état d'urgence et l'état de siège. Et de ça, nous avons parlé, c'était la besoin en train de parler, d'ailleurs, qui signe un cap des arrêtés, cap dit donner au palais national, alors que nous parlons de palais national. Mais dit qu'on mouille, cap fait usurpation de type avec support quelques grains de monde. Nous avons dit tout à l'heure là. Il y avait un monde d'international là, qui actuellement là, en Haïti, cap fait des ordres, mais dit que nous-mêmes haïtiens qui gagnent trois en pile nous gagnent 3,5 n'a boumé en pas gouvernement de facto criminel ça je dis à mes dit peuple haïtien nous pas qu'à quitter pour ça passer d'ailleurs où est ça que nous devons faire nous devons faire des états de siège pour dire mon cabaret est quand même le ouvrir par la 78.1 de la constitution en vigueur claire. État de siège déclaré, le bon évasion étrangère, que je sache, pas d'invasion étrangère. Que deuxième possibilité, c'est si on a guerre civile dans le pays. Nous, on a parlé là, pas de guerre civile. Il y a quelques gangs armés qui ont fait des ordres, mais pas de guerre civile, car on peut piquer, et ainsi de suite. Donc, deux, je dis, le président va déclarer état de siège. C'est devant l'Assemblée nationale là pour l'Intel. L'Assemblée nationale n'existe pas. Donc, pour déclarer ça, c'est avec assentiment Parlement. Je vous dis, le Parlement n'existe pas. Et 10 sénateurs qui l'ont, que je sache, donc, il y a le sénateur du moyen, il n'a pas été consulté. Donc, c'est Oumoun qui a été dit, Premier ministre, et je veux dire, il trouvait le président qui nous l'a arrêté à l'éditonner au Palais national. Et lui maintenant déclaré article 49 là, fait de lui le chef de l'État et le chef de gouvernement. Nous même moi dit et maintenu, il y a un coup d'État de Claude Joseph dans le coup d'État de Jovenel Moïse, père à son âme, nous dit comme son problème politique, il faut une solution politique. Pas de politique encore, je dis là, et ma fini là, moi demandé toute force vive pays. Les partis de l'opposition, pour une fois, un point fort, je me connais chaque monde d'arrêté, chaque par le premier ministre, chaque monde d'arrêté, chaque monde par le président. Et nous, il y a comme ça. Nous avons une urgence, nous avons un monde, nous avons un futur tyran qui gagne rien de pays à nommer, mais un usurpateur de tripillé. C'est le prolongement du régime Jovenel Moïse, du régime de HPK. Il fait tellement de mal à pays, nous pas qu'à quitter coup d'état dans coup d'état. Continuer. Donc, moi, je vous dis, pour le Sénat, et à travers le président, pour une opposition rapide, je vous demande des sociétés civiles organisées, et je vous dis au compliment, hier, vous pourrez avec plus d'une cinquantaine de personnalités, en pile leader de partis politiques. Nous saluons Premier la Valacité là, nous saluons Petit Bézal qui est là, nous saluons Combi qui est là, International qui est là, FPP est là. Sénateur, merci, oui, nous finissons. Et moi, je dis à la société civile-là, mettez avec les partis politiques de l'opposition, yo, avec 10 sénateurs, ou bien le Sénat, c'est parce que c'est mon monde, le Sénat, qui est un leader, qui est le président, même parce que c'est mon monde, c'est le président, je ne parle pas de la personne, le président oui. Du Sénat, pour nous mettre ensemble, je dis à avant journée, si population, mais qui décision nous prend pour nous retirer Claude Joseph côté lié là et éventuellement gouvernement de transition pour lui initier une enquête pour nous connaître qui est qui a assassiné le président Jovenel Moïse pour Mounsayo il paye pour faire ça et monsieur Claude Joseph s'il n'y pas prend même aujourd'hui à l'école tranquillement pacifiquement
lui même tout pour libérer les barreaux pour usurpation de titre parce que son crime lié le au monde pour coûter temps pris ben moins 20 secondes pour moi couper bien bas devant des pouilles tout le monde qui est mort dans massacre qui sont fait par ces derniers mois et plus particulièrement devant des pouilles président de la République là même s'ils sont opposants de à Jovenel Moïse à PHTK nous même nous pas jamais prôner la violence et nous condamner même bien nous faire notre émission radio nous passer toute semaine ça nous condamner avec la dernière rigueur massacre assassinat qui sont fait par président de propre même sécurité lio mais comme c'est pas le sujet du jour l'enquête là a révélé puis devant c'est pas colombien ce président c'est sécurité lio même qui tue maintenant article 49 là dans la constitution qui soit disant en vigueur là que même sénateur excusez-moi vous dites c'est sécurité le tuer lui nous pas qui doit aller sur ça mes amis vidéo 3h 4h 5h 6h du matin colombien yo a marché librement dans la rue Pétionville librement dans notre grand pick-up qui était propane nous voyons qui était tombé dans là où colombien a marché librement dans la rue Pétionville parce que eux-mêmes ils connaissent ces employés l'État haïtien et c'est pratiquement si enquête va révéler c'est même eux-mêmes dans la boule que ils habitent Pétionville depuis des semaines qui est là depuis des mois ce sont des employés des contractuels de l'État haïtien pas rien doute tout ça mais en cité Léon Charles continue de menti et éventuellement la vérité sortira du puits et population qui fait qu'on n'y est déjà dit même et pas bien condamné à ça sous les Colombiens, qui fait vin aider la police là, et je dis à la nega fait politique à ça, mais vraiment dit la vérité absolue dans les heures ou jours à venir, il n'est que la fin. Même je nous connais, sénateur, même je nous connais poser mon équipe mon question sur genre de résultats rapides de l'enquête. Un mot de ça, quand on a une information ça ou même. Et pendant que nous avons besoin, vous avez fait un petit minute d'intelligence, on y garde des timelines, garde de toute façon, l'automobile exactement à qui veut mourir. Heureusement, Martin Moïse a mouru l'exactement pour parler. Donc, moi, je dis, en quitté, autorité, au fait travailler, je me déplace le bloc. Hier, j'ai un bloc de mulas, mais qui mourir. Parce que, vous remarquez que c'est l'ISPN qui l'a fait, l'ISPN qui a fait sécuriser le président et palais national. Vous remarquez que c'est l'ISPN qui a fait la chasse aux Colombiens et vous connaissez Cubain qui est victime, les Mexicains qui victime, qui paraît les discours qui victime. Moi, je dis, nous devons tout simplement souligner ça à attention population pour dire attention, non pas qu'il y ait amalgame à faire, il y a un coup d'État, qui fait, et nous allons parler de ça, donc je dis attention, et il y a un amalgame qui fait, même si vous recevez. De toute façon, DCP a une responsabilité pour dire exactement ce qui passait dans la 6 au 7 juillet 2021. Alors, maintenant, article 59. Constitution qui est là, c'est ouf. Comme des bouquets par les salles dans ma chute, Constitution qui est en vie, n'est pas ferme. Monsieur Claude Joseph, présente comme premier. Mais avant maintenant, c'est quand même là, on dit Claude Moïse et Claude Joseph pas ni qualité pour le même chita côté chita. C'est un ancien premier ministre de facto remplacé ou même poké pour Jovenel Moïse quelques heures avant son assassinat. Donc Claude Moïse et Claude Joseph, excusez-moi, monsieur Claude Moïse, mais après acte préhensible après la yo, monsieur Bagnan, quelle chance pour rien encore dans le pays. C'est un retraite dans la constitution. Article 49, il clairement dit, trois premières années, si le président est incapable, il démissionne, l'assassine, il mourit, il a sacrifié là, pour quelque raison que ce soit, il n'est pas là, premier ministre, a remplacé, le premier ministre, il dit, le conseil des ministres, mais sous la présidence du premier ministre, le remplace.
et c'est pour 120 jours pour faire élection dans moins de 120 jours pour un nouveau président qui finit. Quatrième et cinquième année mandat, je dis à un grand débat, est-ce que nous sommes dans quatrième année? Moi-même, je pense que nous sommes dans cinquième année, et cinquième année a fini, mais si on dit que nous sommes tel Jovenel Moïse, on dit lui-même, il a dit que c'est cinquième année, la commencé là, qu'a fini cette février 2022. Si c'est ça, nous-mêmes, nous sommes tel que le mandat est fini, on prétend ça, que y a quelques épouses dans le pays qui finit. Non, quatrième et cinquième année mandat, c'est l'Assemblée nationale qui constate le président pas là, qui se réunit de chambre, qui accepte des candidatures, qui font vote, qui mettent au monde premier ministre, encore une fois, pour 120 jours pour nous organiser l'élection. Donc, je dis à la, Claude Joseph, ancien premier ministre de facto, n'est pas habilité à écrire ni document, ni parler dans le gouvernement, ni parler dans le l'État haïtien, ni parler comme ministre, Claude Moïse, Claude Joseph Dodia, qui n'a pas qu'une qualité pour faire ça. C'est là. Deuxième bagaille, nous, je ne sais pas si Claude Joseph n'est pas premier ministre de mon pays, c'est un usurpateur de titre lié et lié pour payer à répréhensible l'affaire avec Madame Laline. Là. Nous clarifions ça, et d'ailleurs, nous-mêmes hier, nous sortis une résolution. Et je vous dis où elle est, et moi, signataire de cette résolution, nous condamner coup d'État qui fait un coup d'État. Sénateur Benoît, on retourne sur la réalité, sur la situation qui a sur la réalité avant l'assassinat du président, l'innommé 5 juillet, Dr. Ariel et Henry comme premier ministre, dans 8 et 6 pour 27, il y a assassiné, et qui est cité en poste, c'était Claude Joseph, avec comme premier ministre AI, et qui était en poste avec tout le cabinet. Après l'assassinat, le président, comment le pays a-t-il levé? C'est Claude Joseph qui a dû retirer l'école, par Ariel Henry qui passe le gouvernement? Monsieur Ariel Henry, qui a gagné un moniteur, non mais bon, comme du tout, lui-même, des deals, des fois sur notre, nous étions un premier ministre de facto, nommé par un président de facto, parce que, encore une fois, pas de parlement, pas passé devant le parlement, et nous avons dit nous-mêmes, nomination irrégulière, parce que vous avez été incohérent. Le président était de facto depuis le 7 février 2021. Tout acte, et malheureusement, c'est le monde qui peut parler, mais c'est la question là. Tout acte que le président de facto qui prend après à partir de 7 février, à partir de 11 février 2021, c'est nul et non avenu, et moi, je continue de camper derrière ça, mais c'est sûr ça. Après le 7 février jusqu'à y assassiner là, il a gagné le pouvoir de la force publique avec elle. Près de 99% de la population pas reconnaître lui. Mais il y a des contrôles de l'ingresse national, il y a des contrôles de moniteur, il y a des contrôles. On a fait même, c'est pas nous, même, c'est pas nous qui avons assassiné le président. Encore une fois, nous déplorons ça parce que nous n'avons pas jamais pris de la violence. Maintenant, gros monde qui ont document dans le parce que quoi ça. Maintenant, à cause de paresse parlementaire, je n'ai pas jamais dit au premier ministre. Comment pour qui a vu des privilèges assez intéressants, et
y a plus là-dedans, c'est moun la kayo dans le département qui mettait. Donc ce sont des élus. Donc remé ou pas remé, pour penser Sénat pour te consulter rapidement pour te prendre position rapidement et je dis à là faut que tu aies une décision qui prend par une résolution Sénat et premier ministre et de facto qui là pour te mettre tête rapidement sans l'intervention de l'international pour dire mais ça nous constater pas oublier nous pas dans constitution depuis 7 février 2020 donc je dis à son solution politique et si solution cab pas qu'on est cab un consensus entre guillemets largement large de une grande frange de opposition de société civile organisée d'ailleurs gain une commission et une commission qui pour cap essayer une solution haïtienne à crise haïtienne que moi même m'appuyer 100% des plusieurs commissions de la société civile qui travaille dont baoyo etc et les droits humains etc donc on pense pour tout le monde ça sénateur, sénateur. Pour tout le monde réuni le plus rapidement possible pour la nation, un gouvernement de transition, mais un président avec un premier ministre de transition qui pour rapidement mettre l'ordre des ordres, parce que là, ça fait un an, côté pays, a pas gagné l'ordre des ordres qui étaient caractérisés. Gouvernement ça pendant ces derniers 4 mois et demi. OK, c'est là que nous allons libérer dans 2 minutes. On m'a dit, quand figure ça au bail là, il faut qu'on fasse coucher dans la cabane de Limoui. Ça s'est assassiné. Donc, quand figure au bail là, et le fait qu'il est assassiné là, on prend l'autre et point qui n'entre, on prend d'autres facteurs qui viennent entrer là que nous ne connaissons pas. Donc, c'est ton mot naturel, président. C'est malade, c'est malade de mourir. Non, mais il faut remarquer que l'information et la situation avait volé par exemple hier, nous sommes supposés parler, nous avons eu le bout de pour nous parler de l'état d'urgence et l'état de siège. Et de ça, nous n'avons pas parlé, c'était la besoin en train de parler, d'ailleurs, qui signe des arrêtés, qui a dit donner au palais national, alors que nous parlons de palais national, mais dit bon monde qui a fait usurpation de type. Avec support quelques grands mondes, pas dit tout à l'heure là. Il y avait un monde d'international là qui actuellement là en Haïti, qui a fait des ordres. Je me dis que nous-mêmes Haïtiens, qui gagnent trois, en pile, nous gagnons 3 ans et demi, nous avons boumé en bas gouvernement de facto criminel ça. Je dis à mes dix peuples haïtiens, nous ne pouvons pas quitter pour ça passer. D'ailleurs, où est-ce que nous avons fait? Nous avons fait ça de siège. Pour dire que les gens qui ont été ouverts, ils ont été 78.1 de la constitution en vigueur claire. État de siège déclaré, le bon évasion étrangère, que je sache, pas d'évasion étrangère. Que deuxième possibilité, c'est si on a une guerre civile dans le pays. Nous, on a parlé là, pas de guerre civile. Il y a quelques gens qui ont fait des ordres, mais pas de guerre civile, car on peut piquer, ainsi de suite. Donc, un, le président n'a pas créé Québec. Deux, il y a toujours le président pour déclarer sa siège, c'est devant l'Assemblée nationale là pour l'impel. L'Assemblée nationale n'existe pas. Donc, pour déclarer sa siège, c'est avec assentiment parlement. Je vous dis, le parlement n'existe pas. Et du sénateur qui l'a eu, que je sache, en tout cas, nous avons été du moyen, on n'a pas été consulté. Donc, c'est Oumoun qui est le président, premier ministre et. Je veux dire, il trouve le président qui nous l'a arrêté à l'éditonner au palais national et lui maintenant déclaré en article 49 la fait de lui le chef de l'État et le chef de gouvernement. Nous-mêmes, moi, dit et maintenant, il y a un coup d'État de Claude Joseph dans le coup d'État de Jovenel Moïse, père à son âme, nous dit comme son problème politique, il faut une solution politique. Pas de constitution, je veux dire. Et ma fini là, moi demandé toute force vive pays, les partis de l'opposition, pour une fois, un point fort, je me connais chaque monde d'arrêter, chaque paille au premier ministre, chaque monde d'arrêter, chaque monde d'arrêter au président. Et nous, il y a cap comme ça, nous avons urgence, nous avons un monde, nous avons un futur tyran qui gagne rien de pays à nous-mêmes, c'est un usurpateur de tripier, c'est le prolongement du régime Jovenel Moïse, du régime PHTK,
fait tellement de mal à pays, nous pas capable coup d'état dans coup d'état. Continuer. Donc moi demande aujourd'hui à pour Sénat et à travers le président prendre une position rapide rapide. Nous demande société civile organisée et au compliment hier vous pourrez avec plus d'une cinquantaine de personnalités en pile leader de partis politiques. Nous saluons Premier la Valacité là, nous saluons Petit Bézalité là, nous saluons Combi qui est là, International là, FPPT là. Sénateur, merci, nous finissons. Et moi je dis à la société civile là, mettez avec les partis politiques de l'opposition, yo, avec le sénateur ou bien le Sénat, c'est pas cité dans le monde, le Sénat qui est un leader qui est le président, même pas cité dans le monde, c'est le président, je ne parle pas de la personne. Le président oui, du Sénat, oui. Pour nous mettre ensemble, je dois dire, avant journée, si population, mais si décision nous prend, pour nous retirer Claude Joseph côté lié là, et éventuellement gouvernement de transition, pour lui initier une enquête, pour nous connaître qui est qui a assassiné le président Jovenel Moïse pour Mountaïo, qui nous paye pour faire, et monsieur Claude Joseph, s'il n'y a pas pris, mais je dois dire, il y a l'école. Tranquillement, pacifiquement, lui-même tout, pour libérer les barreaux, pour usurpation de titre, parce que c'est un crime lié, le monde faut